Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne les rapports entre, d'une part, la politique, c'est-à-dire le gouvernement, et d'autre part, la religion, à une époque particulière, je dirais la deuxième moitié du 8e siècle de notre ère et le tout début du 9e siècle de notre ère, c'est-à-dire à l'époque carolingienne. C'est un sujet essentiel parce que les hommes politiques, quand ils gouvernent, ont besoin d'une caution. Et cette caution, qui va donc légitimer leur gouvernement, elle doit venir de quelque chose, un idéal, ou de quelqu'un, un dieu, qui leur est supérieur. Autrement dit, pour gouverner, encadrer la population est indispensable, il est donc nécessaire d'avoir une idéologie. Dans le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ensemble, nous allons nous interroger sur les rapports donc entre la politique et l'idéologie. Et nous allons voir quelle place occupe l'idéal d'une société, d'une cité chrétienne au 8e siècle de notre ère. La question sera de savoir si l'on peut projeter un certain nombre de catégories que nous utilisons pour analyser des sociétés contemporaines, et nous allons nous interroger sur la place du politique dans la religion. Vous savez que c'est un sujet dont on parle beaucoup lorsque l'on réfléchit à certains comportements de certains groupes qui appartiennent à l'islam, en tout cas c'est le mouvement qui est ciblé pour l'instant, mais ceci peut concerner évidemment d'autres groupes, d'autres religions, d'autres politiques, ça va de soi. Mais en tout cas dans notre société, ce qui apparaît à tort ou à raison, je dis bien, comme la menace qui est vécu comme tel par les populations et qui peut être entretenu à des fins intéressées par les politiques ou par les médias, c'est la menace d'une société où la religion et la politique ne font qu'une. Ce sont deux mots féminins. La politique, c'est quoi? La politique, c'est l'art de gouverner. La religion, c'est ce qui unit des individus dans une société donnée et qui leur donne le sentiment d'appartenir à une communauté, à quelque chose qui leur est commun. Et qui fait que la société peut tenir debout. L'empire carolingien, c'est une expression qui, au sens strict, ne devrait être utilisée qu'à partir de l'an 800, lorsque Charlemagne devient empereur. Et pourtant, lorsqu'on parle de l'empire carolingien, on en parle avant qu'il n'acquière ce titre. Parce que, concrètement, le titre d'empereur ne lui apporte rien, je dis bien concrètement. En revanche, sur le plan des symboles, dans le domaine idéologique et politique,
empereur, ça signifie quelque chose parce que ça relie Charlemagne à une période lointaine qui est celle de l'Empire romain. Donc Charlemagne se considère comme le successeur des empereurs romains. Il renoue avec une tradition qui s'était arrêtée pour l'Occident, en tout cas en 476. Donc entre 476 et 800, il n'y a plus d'empereur en Occident. Il y en a toujours un à Byzance. J'ai eu l'occasion de faire un cours récemment là-dessus, ou de rappeler en tout cas ce genre de choses dans des cours la semaine passée. Le plan que je vais suivre sera un plan thématique plutôt que chronologique, parce que je vais envisager le rôle de Charlemagne en tant que chef, d'une part, dans un premier temps, de la communauté chrétienne, dans un deuxième temps, de l'institution ecclésiastique, et dans un troisième temps, en tant que chef des fonctionnaires religieux, c'est-à-dire du clergé. Vous voyez que ce plan est un plan concentrique. Je pars du général et je vais vers le particulier. Je pars de la communauté chrétienne et j'aboutis enfin à une catégorie particulière qui sont les clercs eux-mêmes, les religieux. Nous allons donc aborder, pour commencer, Charlemagne en tant que chef de la communauté chrétienne. Quand je dis communauté chrétienne, il faut bien s'entendre sur ce que c'est. À cette époque, il n'y a qu'une seule religion. C'est la religion officielle et il n'y en a pas d'autre. Donc, ce n'est peut-être pas évident pour nous, en tout cas dans nos régions, d'imaginer une société où il n'y a qu'une seule religion. Le terme « église », et j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à diverses occasions, vient d'un mot grec qui est « ecclésia ». Ecclésia, ça veut dire au départ « assemblée », puis ça veut dire le bâtiment dans lequel se réunit l'assemblée. Et dans un troisième temps, ça devient l'institution elle-même. Donc il y a trois niveaux de signification du mot « église ». Donc ce sont d'abord les gens eux-mêmes, c'est ensuite le bâtiment où ils se réunissent, et puis enfin, c'est l'ensemble des fidèles qui appartiennent à cette vaste communauté qui est celle des chrétiens, c'est-à-dire des amis du Christ étymologiquement, les christiani. Dans ce cadre, le chef de l'État ne peut qu'avoir un lien privilégié avec la religion. La religion chrétienne a été rendue obligatoire, je vous en ai encore rappelé récemment, à la fin du IVe siècle par Théodose le Grand. Les rois barbares qui ont succédé à l'empereur romain d'Occident, soit étaient déjà convertis avant la chute de l'Empire romain d'Occident, soit ils le furent après, c'est le cas de Clovis. Ceux qui l'étaient avant étaient des chrétiens ariens, mais peu importe, il se fait que les rois étaient chrétiens, et donc leur population arienne devait être convertie au christianisme sous sa forme arienne. Dans le cas de Clovis, les Francs ont été convertis dans le cadre du christianisme catholique, le catholicisme romain. Et donc Charlemagne, qui arrive quelques siècles plus tard, s'inscrit tout à fait logiquement dans une politique où l'État et l'Église sont intimement liés. Et lui,
en tant que chef de l'État, il est d'abord roi des Francs, il devient empereur en 800 plus tard, puisqu'il commence à régner en 768, après la mort de son père Pépin le Bref. Donc, sa population, ses peuples sont chrétiens. Le roi occupe plusieurs fonctions. Il a d'abord un rôle de rassembleur et de diffuseur du christianisme. Donc il est le chef d'une communauté chrétienne, et lorsqu'il conquiert des territoires sur lesquels se trouvent des populations, il se doit de les convertir. Il possède d'ailleurs un certain nombre de titres qui le confortent dans cette fonction de roi-prêtre, puisqu'à partir de 794, il se donne le titre de res et sacerdos. Rex, ça signifie roi, et sacerdos, ça signifie prêtre. Donc il est roi et prêtre en même temps. Je vous rappellerai, même si ça vous paraît très bizarre, qu'il y a un lien étroit entre l'origine de la royauté et d'autre part la fonction sacerdotale. Il y a de nombreuses civilisations qui peuvent en témoigner, et on le comprend d'ailleurs, pour des raisons justement de légitimation du pouvoir. Même si, du point de vue du pouvoir, ce lien étroit est de l'ordre de l'inconscient. Il ne faut pas imaginer que tous ces chefs, tous ces rois, sont obligatoirement des gens cyniques, pas du tout. Ils croient vraiment eux-mêmes et sincèrement qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre, hein, ce ne sont pas des imposteurs, ils y croient fondamentalement. Le pouvoir a besoin d'une théorie politique, d'une doctrine sur laquelle il puisse se reposer. Dans le cas de l'Empire carolingien, cette doctrine, c'est l'augustinisme. Augustin est un père de l'Église qui vit à cheval sur le 4e et le 5e siècle de notre ère. Augustin, qui était évêque d'Hippone, Hippone c'est devenu la ville de Beaune, dans le nord-est de l'Algérie. Donc Augustin était un Algérien, hein, romanisé bien entendu, qui avait été païen, enfin qui avait adhéré à d'autres sectes avant de devenir chrétien. Et Augustin est l'auteur d'un ouvrage dont il va être question ici, qui s'intitule « La cité de Dieu » en latin, parce que l'ouvrage est écrit dans cette langue, « Civitas Dei ». Je vous montre ce livre. Je ne vous ai apporté que le volume 1 pour ne pas me surcharger, donc c'est ce livre-ci. Donc la cité de Dieu. Dans ce livre, qu'est-ce qui est expliqué? Eh bien, il est expliqué qu'il y a deux cités, en fait. Il y a la cité terrestre et il y a la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est l'idéal. La cité terrestre, c'est en fait le monde, le saikulum, l'endroit où l'on vit, et qui est marqué par l'imperfection, la corruption. Tandis que l'autre monde, par définition, se veut parfait. Vous ne devez pas imaginer que pour saint Augustin, cité de Dieu et cité terrestre soient des lieux, donc localisables. Non. Ça veut dire qu'il y a deux natures, deux expressions de la vie en communauté. Et l'objectif, c'est que la cité terrestre
se transforme en cité de Dieu. Je dis bien, se transforme. Dans ce cadre-là, pour que cette cité puisse se transformer en cité parfaite, en cité divine, l'État doit intervenir et plus particulièrement le clergé qui a pour fonction de servir de relais à l'Évangile, qui va transmettre la bonne nouvelle. Il est donc tout à fait logique que État et Église soient mêlés et pour qu'il y ait une cohérence dans l'application du projet de Dieu sur terre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne en main cela, et le souverain carolingien, en l'occurrence ici Charlemagne, sera ce personnage qui va mener le peuple de Dieu vers cette cité de Dieu. Autrement dit, celui qui va devenir empereur, qui est d'abord roi des Francs, il reste d'ailleurs roi des Francs jusqu'à sa mort, en 814 d'ailleurs, hein, empereur c'est un titre en plus. Et bien donc Charlemagne se donne pour mission d'être à la fois non seulement le chef temporel, mais aussi le guide spirituel. Et le clergé ne sera qu'un instrument entre ses mains pour réaliser le projet divin. Charlemagne, et c'est son second rôle, est aussi le chef de l'Église, c'est-à-dire de l'institution ecclésiastique. Donc il est le chef d'une institution qui s'appelle l'Église. C'est quoi l'Église ? C'est donc un ensemble d'individus où les fonctions sont réparties entre d'une part les fidèles et d'autre part les clercs, les membres du clergé. Dans l'optique d'un homme politique comme Charlemagne, d'un dirigeant, d'un gouvernant, le clergé doit être organisé de manière hiérarchique. Et en cela, d'ailleurs, il ne fait que reprendre la hiérarchie dont j'ai pu vous parler la semaine passée, lorsque nous avons étudié ensemble le rôle des évêques entre le 4e et le 6e siècle. Église, qui sur le plan institutionnel est organisée avec des évêques, des archevêques, avec des cités, des civitates et des provinciae, c'est-à-dire des provinces au-dessus, et avec donc une véritable hiérarchie qui encadre véritablement la population. Le rôle de l'empereur, en tout cas tel qu'il imagine et en tout cas construit sa fonction, est la suivante. Charlemagne nomme les évêques. Donc autrement dit, les évêques sont des personnages qui ont une fonction donc spirituelle, mais vous rendez bien compte, aussi politique. Alors quand je dis politique, nous, inévitablement, nous allons, puisque nous vivons dans une société qui est fortement sécularisée, ne l'est pas complètement, surtout en Belgique, mais enfin elle est quand même fortement, on imagine bien sûr une séparation nette entre le politique et le religieux, entre le sacré et le profane. Mais on ferait évidemment de l'anachronisme en projetant nos catégories mentales, notre manière de fonctionner, qui est en fait le résultat d'un processus qui est long, hein, et qui s'est mis en place, je dirais, lentement, d'abord sur le plan idéologique et puis sur le plan institutionnel, depuis le XVIIIe siècle. Hein, en gros, depuis la Révolution française. Où est affirmée la liberté de croyance, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, et puis c'était inscrit dans notre Constitution en février 1831. Prenons-nous bien. Mais à cette époque-là,
dans la tête d'un Charlemagne, il faut bien se dire qu'il n'y a pas de différence entre politique et religion. Et il va parvenir à imposer ses vues, qui sont celles d'un gouvernant, aux membres du clergé qui, a priori, n'ont pas pour fonction d'être le relais du pouvoir politique, mais qui peuvent accepter l'idée qu'effectivement, il y ait union et fusion même entre pouvoir spirituel et pouvoir politique. Alors cet encadrement idéologique, il se fait de quelle manière? Il se fait en fait par deux biais. D'une part, l'unification d'un certain nombre de règles, et d'autre part, l'organisation de la société pour arriver à ses fins. Tout d'abord, l'unification. Charlemagne intervient directement, je dis bien directement, pour fixer la doctrine. La doctrine, c'est quoi? Le dogme. Le dogme, c'est-à-dire l'ensemble officiel des idées. Ce que l'on peut croire, ce que l'on ne peut pas croire, ce que l'on doit croire surtout. Si vous sortez des lignes, vous êtes un hérétique. Et ça, c'est décidé dans les conciles qui sont présidés, qui sont orientés directement par le pouvoir politique et où Charlemagne intervient. Donc il y a une intervention directe. Parmi ces hommes, qui a-t-il? Ben, il y aura un certain nombre d'éléments comme, je dis celui qui me vient à l'esprit pour l'instant, concernant l'iconoclasme. Vous savez qu'au 8e, 7e et 8e siècle de notre ère, à Byzance, il y a une querelle entre ceux que l'on appelle les adorateurs des images et d'autre part ceux qui les rejettent, qui les cassent. C'est ce qu'on appelle les iconodoules et d'autre part les iconoclastes. À Byzance, la querelle se termine, en tout cas pour l'époque qui nous intéresse, par la victoire des iconoclastes qui refusent, mais ce ne sera pas le dernier mot, par la suite ça va changer. Parce que dans un premier temps, l'empereur de Byzance considère qu'effectivement il s'agit d'idolâtrie lorsqu'on se prosterne devant une image comme s'il s'agissait d'idole. Hein? Mais en fait, dans un premier temps, ce sont les intellectuels qui vont l'emporter à Byzance. Et puis finalement, hein, vous savez que les moines vont avoir un rôle très important. Et vous savez que quand vous allez dans des pays orthodoxes, vous savez que les icônes ont beaucoup d'importance. Hein, ils sont d'ailleurs insérés dans des cadres en or, en argent, on voit l'image du Christ, de la Vierge, etc. Et que les gens, au fond, je parle des petites gens, ils se prosternent effectivement devant ces images, mais ça pose un petit problème, c'est que ils adorent l'image, sachant très bien qu'il y a quand même Dieu derrière, mais enfin c'est quand même devant une image qui se prosterne. Et ça, ça pose un problème. Eh bien justement, oui, Charlemagne, à l'inverse de ce qui a été décidé à Byzance, qui va être décidé donc dans un premier temps, lui va estimer qu'il n'est pas question de se prosterner devant les images. Mais je vous ai dit que ça s'est fait en deux temps, hein, à Byzance. Il y a une phase d'abord où ce sont les iconoclastes qui l'emportent, hein, et puis finalement ce sont les iconodoules. Oui, il faut savoir que icono, ça vient d'un grec iconos qui veut dire image, et doulos en grec, ça veut dire l'esclave. Hein, doulos. Donc, autre exemple, Charlemagne intervient pour imposer l'idée que dans le credo de Nicée de 325, donc de l'époque de Constantin, dans ce credo, on va, fixer
l'expression filioque. Alors, le credo, c'est le fameux Notre Père. Pour ceux qui ont eu une éducation chrétienne, c'est ce texte qui est récité à l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. etc. Et à un moment donné, on dit, pour le Saint-Esprit, la question est de savoir, est-ce que ce Saint-Esprit, il procède uniquement du Père, ou est-ce qu'il procède du Père et du Fils? Autrement dit, si vous voulez, une sorte de cascade du divin qui se pose. Et donc, est-ce que le Saint-Esprit, est-ce qu'il vient après le Père et le Fils, ou est-ce qu'il est mis sur le même pied que le Fils? Or, Charlemagne décide que l'on va mettre dans le credo, on va adhérer à l'idée du filioque, c'est-à-dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Filioque, que ça veut dire « et » en latin. Ça va? Et donc, il prend une position qui est contraire à Byzance, et contraire d'ailleurs à l'opinion du pape, qui n'était pas très chaud du tout par rapport à cela. Mais il y a un rapport de force entre l'empereur byzantin et l'empereur d'Occident. Voilà quelques exemples. Maintenant, à côté du dogme, il y a une unification, une unification de toute une série de secteurs particuliers, donc sur le plan pratique. Dans le domaine du droit, dans le domaine de la liturgie, dans le domaine du culte. Je ne vais pas détailler tous ces aspects, mais le droit de l'Église, c'est ce qu'on appelle le droit canonique. Eh bien, Charlemagne intervient directement à ce sujet-là. Le culte, vous savez ce dont il s'agit, la liturgie, je vous rappelle que c'est l'ordre des cérémonies, des processions. La liturgie, c'est l'organisation des rites et des cérémonies pendant l'office. Donc là, il a le dernier mot. Maintenant, à côté de l'unification des règles, Charlemagne intervient directement dans l'organisation. Il est même à l'initiative d'un certain nombre d'institutions, en particulier les écoles. Il est essentiel pour le pouvoir de pouvoir, c'est le cas de le dire, avoir un rôle dans ce domaine. Pourquoi? Parce que contrôler les esprits, c'est essentiel pour le pouvoir. Alors, il y a deux solutions. Soit vous décidez, moi j'ai le pouvoir, ça m'arrange que tout le monde soit analphabète. Première solution. Il y a des dictateurs qui fonctionnent comme ça en disant, on ne se préoccupe pas du tout de l'instruction. Mais Charlemagne, il a une haute idée de sa mission, il considère que le peuple chrétien, il doit le mener justement dans la bonne voie, et que sur le plan administratif, il a tout intérêt, lui, à fournir des cadres à l'État, à la tête duquel lui-même se trouve. Il doit autrement dit, il est nécessaire que l'école forme des fonctionnaires qui soient instruits, qui sachent lire et qui sachent écrire. Et les clercs vont jouer ce rôle-là. Donc, si vous voulez, vous, en tant que souverain, avoir une administration qui soit efficace, où les gens ne rechignent pas à la tâche parce qu'ils ont l'impression de participer à un projet grandiose qui est celui d'une société chrétienne qui tend vers la perfection, vers la cité de Dieu, eh bien les gens se mettront plus facilement donc à la tâche. À côté de ça, Charlemagne intervient aussi dans les abbayes. Le mouvement monastique est né en Occident, ou plutôt s'est développé, surtout à partir du 3e siècle. En Orient, d'abord à partir du 3e siècle, et puis à partir du 4e siècle en Occident. Charlemagne va imposer, parmi les différentes règles monastiques qui existaient, une seule règle, la règle bénédictine. Il y en avait d'autres qui circulaient. Par exemple,
règle Saint-Colomban, par exemple. Donc il y a des règles, une règle qui s'impose, la règle de Saint-Benoît, Saint-Benoît d'Agnan ici. Donc vous comprenez le projet de Charlemagne. Il s'agit en fait de formater l'ensemble des individus de telle manière que le projet divin puisse réaliser dans son royaume qu'il considère être le royaume par excellence, le royaume chrétien par excellence. Maintenant, troisième rôle de ce chef. Je vous ai dit dans un premier temps que Charlemagne est le chef de la communauté des chrétiens. Dans un deuxième temps, nous avons vu que Charlemagne se veut également le chef de l'institution ecclésiastique, de l'Église. Maintenant, nous allons voir que Charlemagne, puisque l'on passe dans un système concentrique où on part du cercle le plus large vers le cercle qui se trouve au centre, hein, on passe maintenant à Charlemagne en tant que chef des fonctionnaires religieux, des clercs autrement dit. Quel rôle va-t-il leur attribuer ? J'ai déjà évoqué le sujet il y a quelques minutes. Je vous ai expliqué que le rôle de ces clercs est de fournir les cadres de cette société, entre autres sur le plan administratif. D'ailleurs, les évêques et les abbés, c'est-à-dire ceux qui dirigent les abbayes, sont mobilisables au gré de la volonté de l'empereur. L'empereur, dans son vaste état, n'oubliez pas qu'à cette époque-là, il n'y a pas les communications que nous connaissons maintenant. Donc ça veut dire que pour aller d'Aix-la-Chapelle, qui était son lieu de prédilection, donc la capitale entre guillemets, hein, c'est-à-dire son capitale qui n'existe pas à cette époque-là, parce que les rois mérovingiens, carolingiens, comme d'ailleurs les rois capétiens jusqu'à l'époque de Louis XIV, hein, jusqu'à la construction de Versailles, ce sont des rois nomades. Donc, ce sont des gens qui n'arrêtent pas de circuler. Simplement, Charlemagne avait une prédilection pour Aix-la-Chapelle, comme son étymologie l'indique, Aix-la-Chapelle, c'est un lieu où on pouvait prendre des eaux chaudes, et comme il y avait des problèmes de rhumatisme, bon, hein, donc il allait plutôt à cet endroit-là. D'ailleurs, Aix-la-Chapelle, ça veut dire, ça vient d'un mot latin qui est aquae, aquae ça veut dire l'eau, hein, et aquae, hein, donc c'est aqua, hein, donc c'est l'eau. Donc il prenait ses eaux, ce sont les thermes, c'était une ville un petit peu comme Vichy, comme Spa, entre autres choses. Ça va ? Il avait besoin de prendre ses thermes, donc c'est pour ça qu'il était régulièrement à cet endroit-là. Mais il bougeait aussi. Donc, j'étais en train de vous dire, rappelez-moi un petit peu ce que j'étais en train de dire juste avant, que je me suis un petit peu égaré. Avec l'administration. Oui, je sais bien, mais il doit fournir les cadres dans l'administration. Oui, il doit fournir. Charlemagne dispose des clercs. Et qu'il pouvait les unir quand il voulait. Que les évêques les. Ah, je voulais parler des évêques. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Parce que j'étais en train de. C'est vendredi soir, fin de journée, et quand je me mets à parler de tas d'autres choses, il faut m'arrêter. Sinon, on risque de partir loin. Donc, ça, c'était une parenthèse, c'était une anecdote, évidemment, hein, le problème des eaux avec sa chavette. Donc, effectivement, les évêques, ils s'en servaient dans son vaste état en tant qu'inspecteurs généraux. Les inspecteurs généraux, c'était des individus, et la plupart du temps, ils fonctionnaient par duo, par binôme, comme on dit maintenant, un ecclésiastique et un laïc, un comte, c'est-à-dire un haut fonctionnaire, et d'autre part, un évêque était chargé d'aller dans les provinces, dans les comtés, hein, c'est le terme qu'on utilise à cette époque-là, un comté c'est comitatus, donc dans les comtés, dans les provinces, pour voir si les décisions du roi, de l'empereur étaient bien appliquées, pour voir s'il n'y avait pas de la corruption, pour voir si la justice était bien rendue. Et donc ces inspecteurs généraux, vous les connaissez, parce que vous avez déjà appris ça peut-être déjà à l'école primaire, ce sont ceux qu'on appelle les missi dominici. Hein, missus, ça veut dire envoyé,
Et Dominici, c'est Dominicus, ça veut dire les envoyés du maître. Dominus, c'est le maître, hein, envoyé du maître. Donc les évêques, vous voyez, ils étaient dans la haute administration. Ils avaient des fonctions d'inspection. D'inspection sur le plan politique, administratif, voire judiciaire. À tel point qu'on a pu dire que le système mis en place par Charlemagne est un système diarchique, c'est-à-dire un système où vous avez deux pouvoirs parallèles, le pouvoir laïque, c'est-à-dire le pouvoir comtal, et d'autre part le pouvoir ecclésiastique, mais qui fonctionne également dans le domaine séculier, le pouvoir ecclésiastique. Donc deux pouvoirs parallèles. En fait, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que diarchie, ce qui veut dire pouvoir double, hein, pouvoir double, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que c'était la même personne qui dirigeait le tout. C'est Charlemagne, donc en fait, il n'y a pas deux pouvoirs, c'est Charlemagne. On peut quand même, même si ma comparaison va sembler un peu trop forte, quand même dire qu'il y a quelque chose qui nous ferait penser quand même à des systèmes totalitaires du XXe siècle, sauf que la notion de totalitarisme n'a pas de sens pour cette époque-là, parce que le totalitarisme suppose des moyens de communication du chef par rapport au peuple qui domine, qui n'existe pas à cette époque-là. Le totalitarisme a pu se mettre en place à partir des années 1920-1930, parce que vous avez le cinéma parlant, vous allez avoir la radio, toute une série d'instruments, voilà, vous avez des moyens de communication, ne fût-ce que des transports, qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc là, effectivement, Mussolini, Hitler ou Staline n'auraient pas pu fonctionner, ne fût-ce qu'au XIXe siècle. On ne peut pas parler de système totalitaire. Même à l'époque de Napoléon, il n'y a pas de système totalitaire, parce qu'il n'y a pas les moyens de communication, d'avoir une emprise sur la population. Donc, a fortiori, à l'époque de Charlemagne. C'est bien qu'un paysan, il ne savait même pas qu'il y avait Charlemagne, il savait qu'il y avait un grand chef, hein, bon, voilà, dont il dépendait une extrémiste, elle savait-il, même, c'est même pas sûr du tout. Ça va ? Donc, si je vous dis qu'il y a peut-être moyen de faire un parallèle avec beaucoup de précautions, et je fais ce parallèle avec des pincettes, bien entendu, parce que si un médiéviste m'entend, il va dire, mais quelle ineptie, quelle hérésie, il n'a strictement rien compris. Ben oui, je comprends très très bien, en fait, que je suis en train de faire un parallèle osé, une comparaison osée, j'en ai conscience. Aussi, pour des raisons pédagogiques, je le fais volontairement, parfois prendre des risques. Hein. Et donc, réfléchissez un petit peu. Hitler, et je ne vais pas comparer évidemment sur le plan du caractère ou même le système de Charlemagne à aux nazis, bien entendu, mais quant à son système politique, le moyen d'organiser la politique, Hitler avait mis au point un système où il y avait une sorte de désorganisation, c'est-à-dire qu'il y avait d'une part le système légal administratif, où il y avait une hiérarchie qui était prévue, ben voilà, dans les textes de loi, et à côté de ça, il y avait un pouvoir qui dépendait directement de lui, mais qui était officieux. Il y a d'abord eu les SA, les SS, des tas de organisations qui dépendaient directement du Führer, mais qui se faisaient concurrence entre elles, à tel point que, hein, pour les historiens, c'est parfois très difficile de démêler et de savoir qui a décidé, hein, et qui a mis en œuvre, hein, le génocide des Juifs. Est-ce que c'est Hitler directement ? Ben oui, bien entendu, mais sauf que lui n'a rien dit, n'a laissé aucune trace. Hein, donc c'était en fait, il fonctionnait sur des clans qui se faisaient concurrence les uns aux autres. Alors, je ne dis pas que Charlemagne a fonctionné comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait une hiérarchie ecclésiastique, une hiérarchie laïque, celle des comtes, et qu'ils jouaient quand même un petit peu l'un contre l'autre. Mais les deux dépendaient directement de lui. Pensez au système communiste totalitaire. Pensez au système communiste, par exemple, à l'époque stalinienne. Vous aviez aussi, non pas une diarchie, parce que tout était décidé à l'époque par Staline lui-même, mais vous aviez deux systèmes parallèles. Il y avait le système politique lui-même. Il y avait le gouvernement des républiques socialistes soviétiques, tout ce que vous voulez, il y avait une hiérarchie politique. Mais à côté de ça, il y avait un système parallèle
qui était le système du parti communiste, qui était le parti unique. Alors, qui était le plus important quand vous étiez dans une région donnée? Est-ce que celui qui, dans une région donnée, était le plus important, est-ce que c'était le représentant de l'État ou est-ce que c'était le représentant du parti communiste? C'était pas le même. Mais à la tête du tout, il y avait quand même Staline, il ne faut quand même pas oublier. Donc, être président d'une section communiste dans une commune, c'était peut-être plus important que d'être le maire d'un village. N'oubliez pas que c'est un système unique. Donc ici, mes comparaisons sont évidemment boiteuses, parce que il y a 12 siècles entre les deux, donc il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas ici. Mais c'est un système où vous avez deux organisations parallèles, hein, mais avec un même chef. Eh bien, à l'époque de Charlemagne, c'était un petit peu ça ce qui se passait. Il y avait l'Église, il y avait l'État, les comtes, mais il se fait que l'Église, que moi je compare à un parti, hein, un parti politique, c'est une image, c'est une comparaison, hein, mais avec son idéal, son idéologie, et d'autre part, il y a les comtes qui ne sont pas, qui sont des préfets de département, qui sont des gouverneurs de province, et qui fonctionnent parallèlement. Et Charlemagne, ben, il envoie donc des inspecteurs généraux composés d'un binôme où il y a un évêque et où il y a un comte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous dire que... Alors je ne dis pas qu'il était machiavélique, Charlemagne, je ne dis pas ça, mais que c'est un système qui est plus compliqué à comprendre qu'on pourrait l'imaginer dans un premier temps et qui ne correspond à rien chez nous aujourd'hui parce que nous sommes dans un régime où il y a de nombreux partis. Et nous sommes dans un régime où, heureusement, il n'y a pas de religion officielle. Ça va? Mais essayez d'avoir cette comparaison en tête. Parce que, bien entendu, le régime de Charlemagne n'est pas un régime totalitaire au sens où nous l'entendons, parce que le totalitarisme ne peut pas exister à cette époque-là. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas les moyens de faire du totalitarisme. Mais quand même, c'est une forme de totalitarisme dans la mesure où il y a une idéologie officielle dont on ne peut pas se dédire, qu'on doit suivre aveuglément, sinon on est en dehors des bornes et on est un hérétique. Et être hérétique, vous êtes bien d'accord que c'est un problème religieux, mais qui relève à cette époque-là de la politique. Donc il y a un lien étroit. Et ce lien étroit, on appelle ça le césaropapisme. Le césaropapisme, c'est quand l'empereur joue le rôle du pape. Le pape lui est soumis. De nouveau ici, je ne veux pas faire de comparaison abusive, mais les califes qui ont succédé à Mahomet ou à Muhammad, enfin peu importe, à partir du 7e siècle, d'abord ses quatre compagnons, puis ça va être les Omeyyades, et puis les Abbasides, un calife c'est quoi? C'était quelqu'un qui est en même temps le commandeur des croyants, mais qui est également le chef de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est aussi dans une fusion entre le politique et le religieux. Alors, à la fin de l'Empire ottoman, il y a eu la séparation des deux fonctions. Au moment où Kemal Atatürk est arrivé au pouvoir, à un moment donné, le sultan d'Istanbul, qui était en même temps calife, a été démis en tant que sultan, et au tout début, ça n'a duré qu'un an et demi, vous savez, au début de la République turque, il est resté commandeur des croyants, donc il est resté calife, il n'était plus sultan. Donc ça veut dire qu'il restait, la comparaison n'a pas de sens, un petit peu l'équivalent d'un pape. Donc il est resté pape en n'étant plus empereur. Et ça a duré un an et demi. Et puis bon, à partir de 1923, ça a été foutu. Bon, il n'a plus été calife non plus. Mais ça veut dire qu'il restait un petit peu le pape des musulmans, à tel point que les musulmans d'Inde le reconnaissaient toujours comme calife. Évidemment, pas comme sultan, puisque comme sultan, ce n'était pas leur chef d'État. Ça va? Donc vous voyez que les rapports entre politique et religion sont parfois difficiles à appréhender dans notre société à nous, parce que c'est évident, hein? Enfin c'est devenu évident,
qu'il ne peut pas y avoir, mais c'est un équilibre fragile, vous savez, qui peut à tout moment, non plus sous la forme de fusion entre la religion et la politique, mais il peut y avoir la fusion entre la politique et autre chose, qui est de l'ordre de l'idéologie. Alors, quels sont les avantages pour l'Église maintenant ? Les avantages pour l'Église, parce que c'est logique, hein, quand vous vous servez de quelqu'un, ben, on fonctionne, l'être humain fonctionne par le donnant-donnant, le don et le contre-don. Hein. Quand vous demandez à quelqu'un de vous aider, ben, il est logique que vous donniez un os, hein, à ranger. Sauf qu'ici, l'os est un gros os à ranger. Les avantages pour l'Église, c'est tout d'abord que l'Église bénéficie du statut d'immunité. Alors, c'est quoi l'immunité ? Eh bien, l'immunité, ça signifie que vous ne dépendez pas du comte de la province où vous vous trouvez, sur le plan fiscal, sur le plan judiciaire, sur le plan même militaire. Vous dépendez directement de l'empereur, mais vous êtes donc ce qu'on appelle un abbé immuniste, mais comme ecclésiastique, comme religieux, vous ne pouvez pas exercer directement vous-même ces fonctions-là, parce que l'Église ne peut pas effectivement lever les impôts, parce que l'Église ne peut pas effectivement juger sur le plan civil, parce que l'Église ne peut pas non plus décider de guerroyer, les abbés, c'est-à-dire les supérieurs des monastères, doivent déléguer leur pouvoir, doivent transmettre leur pouvoir en ces matières à ce que l'on appelle des avoués laïcs. Avoués. Avoués laïcs. Ce sont des gens qui exercent ces fonctions-là à leur place. Le terme avoué est en fait un doublet du mot avocat. Hein ? C'est la même étymologie. Godefroy de Bouillon, lorsqu'il prend Jérusalem en 1099, donc à la fin du XIe siècle, eh bien, il ne veut pas prendre le titre de roi de Jérusalem, il prend le titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Ça veut dire quoi, avoué du Saint-Sépulcre ? Ça veut dire qu'il est le protecteur. Il considère en fait, en tout cas dans son discours, qu'il n'a pas à être roi de la cité où a vécu Jésus, mais qu'il est le défenseur, par contre. Donc il est là en tant que laïc, puisqu'il n'est pas religieux, il prend la charge d'exercer toute une série de fonctions militaires, fiscales, judiciaires, mais, donc c'est un titre qui est un terme, être avoué, ça veut dire que vous avez du pouvoir. Mais ce n'est pas un titre prestigieux comme celui de roi, bien entendu. C'est ça que ça veut dire, avoué. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi sur le plan économique, un certain nombre d'intérêts. Les clercs, plus exactement l'Église, bénéficient pour les terres, les biens mobiliers ou immobiliers qu'elles reçoivent en donation, et je vous ai déjà expliqué dans un cours précédent pourquoi on donne beaucoup à l'Église. On donne beaucoup à l'Église quand on a l'argent, parce qu'on veut assurer son salut au paradis, dans la vie future, après la mort. Et donc, des dons très importants sont faits constamment aux abbayes, justement, ou à l'Église, d'une manière plus générale, ce n'est pas spécialement les abbayes. De plus, les rois, déjà à l'époque mérovingienne, ils en donnaient beaucoup d'ailleurs à l'époque mérovingienne, ou à l'époque carolingienne, ils donnent des terres à eh bien, ces terres sont inaliénables. Ça veut dire qu'on ne peut pas, l'Église ne peut pas les vendre, on ne peut pas leur prendre non plus, ces terres-là. C'est du définitif.
Et c'est comme ça que vous avez des habits qui vont devenir extrêmement riches. Extrêmement riches. Au point de s'éloigner de leur idéal premier. Car n'oubliez pas que dans les évangiles, Jésus de Nazareth fait l'apologie des pauvres. Il fait l'apologie de la pauvreté évangélique. Et donc il y a une contradiction par rapport à l'idéal chrétien. Enfin, pour dédommager l'Église, Charlemagne accorde à l'Église la possibilité, je dirais même l'exclusivité, de percevoir un dixième des récoltes, c'est-à-dire la dîme. Le mot dîme vient d'un mot latin qui est decima, qui veut dire la dixième partie. Alors quand je dis des récoltes, ça peut être aussi bien pour les moissons ou pour les vendanges. Donc c'est une rémunération que l'empereur accorde, ou plus exactement qu'il confirme, parce que ça existait auparavant. Il confirme donc ce monopole à l'Église. Il confirme. Conclusion maintenant de ce cours. Vous avez retenu, je l'espère, que l'objectif de Charlemagne, en tant que gouvernant, mais en tant que gouvernant chrétien, qui croit sincèrement à ce qu'il fait et à ce qu'il pense. Donc il ne faut pas toujours avoir en tête l'impression qu'il y a un calcul cynique ou machiavélique. Pour lui, c'était naturel, ça faisait partie de sa fonction. Eh bien, l'objectif de Charlemagne est de pouvoir incarner dans son royaume la société chrétienne voulue par Dieu. Toutefois, son projet ne pouvait pas tenir, car justement, il reposait sur des bases fragiles qui, à terme, ne pouvaient que s'effondrer. Si ce système avait fonctionné, parce que c'est une utopie, on peut le dire, mais cette utopie se serait transformée justement en système totalitaire, en fondamentalisme. Et vous savez que le fondamentalisme conduit justement à une dictature de la pensée, et la dictature de la pensée sur la société civile, ce n'est pas quelque chose qui, à terme, peut tenir très longtemps, indépendamment des aspects moraux que l'on pourrait condamner dans ce type de système. Ça va ? Donc retenez bien que les comparaisons que j'ai pu faire pendant ce cours, ce sont en fait des outils et ce ne sont que des comparaisons. Mais je crois que pour comprendre le passé, on doit se servir des outils de notre temps et inversement, pour comprendre le présent, on doit se plonger dans le passé. Il doit y avoir un aller-retour constant entre notre analyse du présent et notre analyse du passé. Et c'est, je crois, en tout cas me semble-t-il, une des raisons d'étudier, d'enseigner l'histoire. Mais faites attention quand vous en parlez, quand vous parlez de l'Empire carolingien avec vos élèves qui ont 12-13 ans, ne faites pas de comparaison avec le système totalitaire, etc. Moi, je vous ai expliqué ça. Pourquoi ? Vous êtes des adultes, vous êtes des futurs professeurs, donc moi j'essaie de vous donner des outils qui peuvent servir de levier pour aller plus loin dans la réflexion. Hein ? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit que le système de Charlemagne est un système totalitaire. Mais je dis que ce qui est mis en place à cette époque-là, c'est une véritable idéologie où politique et religion s'épaulent et participent donc d'un même projet, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Voilà. De la même manière que certains d'autres époques ont voulu établir une société parfaite sur le plan humain. Je pense à
certains régimes qui peuvent être a priori sympathiques lorsqu'on lit le programme, et puis qui, mis en place, deviennent un véritable enfer. Je vous montre maintenant quelques livres, comme d'habitude. Alors, tout d'abord, des ouvrages généraux sur Charlemagne. Alors ici, un petit dictionnaire très très bien fait, dans lequel il y a même les textes, des concepts importants pour l'époque carolingienne. Donc, il est marqué ici, vous voyez, Charlemagne, Robert Delors, mais en fait, c'est pas un livre du tout sur Charlemagne. Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé comme ça. En fait, c'est un livre où vous avez des notices. Ce sont des rubriques, de la lettre A à la lettre Z. Ici, je vois immunité, je vois école, je vois église. Vous voyez, c'est en fait un lexique. Mais alors, c'est un lexique extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait, qui peut vous servir pour le son directement. Hein, ça, oui. Alors là, vous avez la petite image bien célèbre, qui est une image d'Épinal qu'on trouvait dans les manuels scolaires jadis. J'ai encore eu des images comme ça dans les manuels scolaires à l'école primaire. On voit Charlemagne, là vous voyez qu'il n'a pas une grande barbe, hein, en train de distinguer sur sa gauche les bons élèves qui viennent de milieux modestes des mauvais élèves qui, eux, sont les fils de riches. Évidemment, c'est de la propagande. Hein. On comprend bien qu'on faisait ça pour essayer de motiver les élèves dans les classes quartier populaire. Alors, Bruno Dumézil, Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, Pierre Richer, collection plurielle. Charlemagne et l'Empire Carolingien de Louis Alphen, c'est un vieux livre, enfin d'avant-guerre, mais qui est encore très utile, chez Albin Michel. Alors, de Jacques Boussard, Charlemagne et son temps, chez Hachette, l'univers des connaissances. Alors, la biographie de Jean Favier, Charlemagne, ça doit être certainement chez, oui, ici c'est François Zir, mais en fait ça doit être Fagas, bien entendu. Donc Charlemagne, vous savez évidemment l'étymologie, ça vient de Carolus Magnus, ça veut dire Charles le Grand. De Robert Foltz, le court roman impérial de Charlemagne, le 25 décembre 800, en folio histoire. Alors, un recueil de textes sur cette époque-là, dans la collection Le Mémorial des siècles, 8e siècle les hommes, Charlemagne, par Georges Tessier de l'Institut, qui était surtout professeur de diplomatique à l'École des Chartes à Paris. Alors, de Bruno Dumézil, Servir l'État barbare dans la Gaule franque, 4e-9e siècle, donc c'est un rapport immédiat avec mon propos, chez Talandier. Je suis désolé d'avoir une position un petit peu particulière, mais je me suis fait très mal à l'épaule, et donc je tends les livres un peu bizarrement, comme si je présentais l'Évangile, mais c'est pas ça. D'une déposition à un couronnement, 476-800, rupture ou continuité dans la naissance de l'Occident médiéval. C'est un colloque qui s'est tenu à l'Université de Bruxelles. Alors, maintenant sur l'Église elle-même. De Laurent Feller, Église et société en Occident, 7e-11e siècle, chez Armand Collard. De Sousserne, l'Église et la société dans l'Occident médiéval, en Champflammarion. D'André Vaucher, la spiritualité du Moyen-Âge occidental, 8e-13e siècle. De Jacques Paul, il y a deux volumes, l'Église et la culture en Occident, donc ça couvre la période 9e-12e siècle. Donc le premier volume s'appelle « La sanctification de l'ordre temporel et spirituel ». Et le second, « L'éveil évangélique et les mentalités religieuses ». Donc c'est pour la période qui suit immédiatement celle que j'ai traitée avec vous aujourd'hui. De Pierre Richer, « Éducation et culture dans l'Occident barbare, 6e-8e siècle », en point histoire. Du même auteur, de l'éducation antique à l'éducation chevaleresque, ça couvre évidemment
la période qui nous intéresse, vous allez y trouver les textes. C'est chez Flammarion. De Philippe Wolff, Histoire de la pensée européenne, tome 1, Éveil intellectuel de l'histoire en point histoire. Alors, il faut savoir que le premier chapitre, qui couvre 80 pages, s'intitule Le temps d'Alcuin, et Alcuin, c'était le grand intellectuel de l'époque de Charlemagne, ecclésiastique d'origine irlandaise. Voilà.